Bonjour les enfants! Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. Et le lundi, c'est la dictée! Chouette! Vite, écrivez la date, dictez dans votre cahier, mettez sur pause et on va commencer. Il est un peu plus gris, mais... Alors c'est parti, on commence. Vous êtes prêts? Alors attention, tous les mots que je vais dicter sont avec la lettre C qui fait le son S. Mais parfois, il faut mettre la cédille. Donc, rappelez-vous bien la règle. Quand est-ce qu'on met de la cédille? Après le A, le O et le U, puisque c'est des alphas qui ne se laissent pas faire, hein, attention. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Alors, on écrit les mots, on ne fait plus les syllabes. Parce que maintenant, vous êtes grand. Vous êtes très fort, donc on fait directement les mots. Le cinéma. Le cinéma. La leçon. La leçon. Déçu. Déçu. Comme d'habitude, si je ne vous donne pas d'indication, c'est la première façon qu'on a vue pour les sons qui ont plusieurs écritures. Le médecin. Le médecin. Maintenant, vous sautez une ligne, vous pouvez faire un point. Les mots à apprendre. Quelque. Quelque. Trop. Trop, plus ou plus, il y a deux façons de le dire. Plus. Et maintenant, nous allons écrire trois phrases. Niveau 1 et 2, vous pouvez écrire que deux phrases, ce sera suffisant. C'est vous qui choisissez. Première phrase. Donc on fait une phrase par ligne, comme ça sera plus clair. Il va au cinéma. Et il faut faire attention à la majuscule et au point. Au point, attention au point. Il va au cinéma. Donc il y a quatre mots. Il va au cinéma. Il va au cinéma. Mettez sur pause si vous n'avez pas fini. Deuxième phrase. Vous pouvez sauter une ligne. Ce sera plus clair. Il fait les devoirs. Il fait les devoirs. Attention à la majuscule au point. Il fait, c'était le mot à apprendre pour cette semaine. Il fait les devoirs. Attention, il n'y en a pas qu'un de devoir, il y en a plusieurs. C'est les devoirs. Il fait les devoirs. Et la phrase bonus. Il est grand. Alors à la fin de grand, il y a une lettre qu'on peut retrouver si on le met au féminin. Une table grande. Donc c'est un D qui est à la fin. Donc je redis la phrase. Il est grand. Il est grand.
Quand vous avez fini, vous prenez un stylo vert et on va corriger. Alors, d'abord, il fallait écrire le cinéma. C'est mon voix. Le. Donc, c'était avec le C. Après, il y a un I, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de mettre de CD. Si. Né. Ma. Et attention, je mets l'accent sur le E. Cinéma. Ensuite, c'était la leçon. La. Le. Son. Donc, je regarde la lettre qui est après le C. C'est un O. Ah. Monsieur vous fait des bulles. Donc, il faut mettre la petite cédille. Sinon, il attaque. Ensuite, c'était déçu. Déçu. Pareil, c'est mademoiselle U, donc il faut rajouter la petite cédille. Attention de bien la faire dans le bon sens. Vérifiez à chaque mot si vous n'avez pas oublié les lettres. Regardez bien. Parce que je sais que c'est encore un peu difficile de vous corriger. Ensuite, le médecin. Le. Donc c'est. Mais. De. Ça. Maintenant, je mets l'accent sur le E pour faire et médecin. Est-ce que j'ai besoin d'une cédille? Non, puisque c'est madame I. C'est bon. Regardez bien. Je vais effacer. Attention. C'est bon, vous avez corrigé. J'efface. Ensuite, les mots à apprendre. Donc, quelques. Il fallait penser. Ça commence comme Q, comme que. Donc, c'est Q-U-E-L. Et encore Q-U-E et S. Parce que quand il y a quelques bonbons, quelques enfants. D'ailleurs, on l'entend avec la liaison. Il y en a plusieurs. Donc, on met un S. Quelques. Trop. Il fallait penser à la lettre muette. Trop, c'est le P à la fin. C'est bon, voix. Et le dernier, c'était plus. Bon, je vous avais donné une petite indication. Plus, on entend le S à la fin. Plus, pas de piège. Maintenant, les phrases. Il va au cinéma. Donc, est-ce que vous avez pensé à la majuscule? Vérifiez. Le I. Il va. O, c'est le mot ti, A-U. Et cinéma, on l'a écrit tout à l'heure. Ci-né-ma. Et le point. Voilà. J'efface. Regardez bien si vous avez bien mis, si vous n'avez pas oublié un mot. J'efface au-dessus. Voilà. Donc ensuite, je vais écrire « Il fait les devoirs ». Je vais l'écrire au-dessus. Majuscule. Vérifier. Il fait. C'est F-A-I-T. Il fait les. C'est le mot il est, attention. Devoir. Et il fallait mettre un S. Puisqu'il y en a plusieurs des devoirs, comme vous l'a dit Ludo. Et le point. Vérifiez bien que vous avez tout mis, le S. Vous pouvez l'entourer si ça vous aide. Hein. Et la phrase bonus. Il est, c'est EST. À ne pas confondre avec ET, quand il y a plusieurs choses, par exemple du chocolat et des bonbons. Là, ce n'est pas le cas. On rajoute pas quelque chose, donc c'est il est grand. Alors, je vous ai pas donné d'indication sur le en, c'est an. C'est pas grave si vous êtes trompé, hein, vous pouviez pas savoir. Et là, on n'oublie pas la lettre muette, le d, comme dans grande, grandeur, grandir, et le point. J'espère que vous avez réussi, que vous êtes bien corrigés les enfants. À bientôt. À bientôt les enfants.